دونك بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم كامل في اللايف ديالنا تاع اليوم. ماذا بينا دونك هذه المبادرة تتواصل قدر الامكان. دونك انا عندنا 3 شهور ولا 4 شهور ان شاء الله، يعني تقريبا من اللي بدينا، وان شاء الله نكملوا يعني بهذا المنوال، وكل خطره يكون عندنا واحد يقدم لنا واش يديروا باش نحاولوا نلحقوا قدر الامكان، يعني واش رانا نديرو ولا واش نعرفو من المعلومات للناس اللي راهم سواء دي زيتيديون ولا ناس اللي يهتموا بهذا المجال. ولا هاد المبادرات هما حاجة مهمة جدا، دونك راني كامل داكور بهذا الأمر. كاين بزاف مبادرات كيما هادو ما في سورتو، يعني بوكا في الجزائر لي زيتيديون راهم ينشطو بزاف في هاد المبادرات. كاين مبادرة غير كيما اللي راهي كان كلوب اسمه كوانتاليا، هو لونسا مبادرة غير كيما مسابقة حول تبسيط العلوم. دونك حاجة مليحة بزاف، وكان مثل هاد الأمور يقدروا ينتشروا. المسابقة هذه الله أعلم ممكن الواحد يسجل فيديو ولا يبعثها، ثم راح تكون تصويتها كأونلين، وبعد راح يكون حضوريا، يعني الناس اللي يتأهلوا يديروا عرض يعني على مواضيع علمية وكامل. وهاد الحاجات مثل هاد النشاطات هادوما كامل نظن أمر مهم جدا أننا نشاركوا فيه ونحاولوا ننشروه مع الناس اللي نعرفهم وكامل. دونك اليوم راح يكون معنا عبد الغني جبيلي، انجينيور فيزيك ميديكال. دونك راح يهضر لنا على واش راهو يخدم والباركور ديالو كامل. تفضل عبد الغني. السلام عليكم. سي جبيد عبد الغني، كما قال أسامة، انجينيور ان فيزيك ميديكال و كونسيير ان راديو بروتيكسيون دو بيرسونيل. تو دابور راه نهضر اللغه باش نهضر بها في الدارجه، دونك باش الناس كامل يفهموا. الدارجه ديالنا سي اون انغلي فرونسي عربيه، مي لو كونتينو دو لا بريزونطاسيون سي اون فرونسي. Mais c'est pas grave, en tout cas, il y aura quelqu'un qui va être un fatra ou une job à la Kamel S.I.L.A. d'Elcom, Absama Femto H. Donc, n'hésitez pas après. Donc, l'unwan de la présentation, c'est protéger la santé des patients et le personnel contre les rayonnements ionisants, la physique médicale et la radioprotection en pratique. Donc, on va faire comme en fait. كيفاش بديت لو في الدومين واش ندير او كوتيديان، فوالا تو سامبلومون كوم سا سا فو دونرا بتاتر اون ايدي على واش راحين ديرو اذا اخترتو هاد لو ميتي. دونك راح نبدا بون سي كلاسيك مي بون راح نبدا بلو باركور اونيفيرسيتير ديالي. اي با ان فيت انتر 2014 اي 2017 جو كوا كو Comme la plupart de cette mobadara, c'est licence en physique fondamentale à l'USDHB. L'USDHB, c'est Jamiat Houari Boumediene de l'Ulum et Technologie, en Jazeera Al-Asima. Après, avant l'étape suivante du parcours universitaire, nous avons parlé un peu de le club scientifique, les Fondina Physica Club, qui était entre 2016-2017, qui était vraiment une expérience enrichissante pour moi personnellement. C'est parce qu'en fait, ça a été une interaction avec plusieurs personnes. Et en fait, il y avait un boom des idées fin de l'année 2016-2017. Et donc, voilà, ça m'a permis d'apprendre plein de choses en fait. Et aussi de m'orienter vers ce que je voulais faire réellement. Donc après en fait l'USCHB, en France. Donc entre 2017 et 2018, j'ai une petite licence L3 fondamentale l'université Grenoble-Alpes, l'UGA. Et après en fait à la base, juste en fait c'est important que je vous dise ça parce qu'à la base moi je voulais faire astrophysique. C'est pour ça, en fait, j'ai choisi l'Université Grenoble-Alpes parce qu'ils ont un institut d'astrophysique assez réputé. La licence 3, justement, voilà, en fait, ça m'a permis un petit peu de voir comment ça se passe, en fait, les différentes
les différents métiers. Et donc, l'astrophysique, ça m'intéressait plus vraiment comme métier. Et ben, quand tu as un plan B français. Le plan B, c'est la physique médicale. Et pour faire la physique médicale, je devais faire un master en physique, donc entre 2018 et 2019. Un master en physique, mais le parcours n'était pas de la recherche fondamentale, mais c'était, ça s'appelle parcours recherche et innovation dans la même université, l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, à partir de ce master-là, donc entre 2018 et 2020, ça m'a permis de faire un master en physique médicale. Voilà, tout simplement mon parcours universitaire. Maintenant, mon parcours professionnel. Lors de mon master 1, donc master 1, quand voilà, parcours recherche et innovation, fait bzaf le majalat. Donc, fait majal l'électronique, majal physique tabia, majalat fait. Donc, c'était un tronc commun, on va dire, en fait, pour la mash-up de spécialité où tu as fait l'année, tu as travaillé la spécialité, tu as ça, tu as le master 2. Donc, le stage, le choisir toi dans le master 1, c'était parce que aussi, en fait, j'hésitais entre physique médicale ou l'électronique, donc la nanotechnologie, etc. Et ben, mon stage de master 1, pendant 2 mois, j'ai travaillé un site, en fait, fait Grenoble, Medina Grenoble, qui s'appelle la Minatech. La Minatech, c'est un site technologique. Elle fait le COA, donc Commissariat à l'énergie atomique de France, le Wakalat Taqa Drya, qui m'a laboratoire, c'est le laboratoire des technologies de la microélectronique, donc le sujet ou ce mot justement, le PEALD, donc Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition. Donc c'est une technique en fait, voilà, de comment en fait on va déposer sur des couches comme du silicone par exemple, d'autres éléments chimiques. Donc voilà, c'est une technique, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, ce n'est pas vraiment le sujet de la présentation. Et après, le stage Master 2, justement, en fait, donc quitte le stage, franchement, j'étais déterminé que Mendesh l'électronique, la physique médicale. Donc, le Master 2, la physique médicale, où le sujet à le stage d'y aller, c'était l'étude de l'impact des courbes d'étalonnage CT dans l'apprentissage d'un réseau neuronal pour la génération de CT synthétique. Je m'explique. Et ben, en fait, faire le stage d'y aller, donc, le stage d'y aller, Mil Grenoble, Medinet Lille, Farencia. Donc, le nord de France, le centre Oscar Lambret. Le centre Oscar Lambret, c'est un centre de lutte anti-cancer. Donc, c'est un hôpital, en fait, Moustechfa, l'effet Massalah, etc. Justement, مصلحة معالجة السرطان بالأشعة et كاين واحد لو سيرفيس مو لو سيرفيس دو فيزيك ميديكال وفي هذا لو سيرفيس جوستومون درت لو ستاج ديالي وين اون فيت مع لو ميتر دو ستاج ديالي كنا نخدموا على دي ميثود دو ديب ليرنينغ جوستومون بور اون فيت بور فوز اكسبليكي ان تي بو سي كو je sais pas si vous racontez toujours la souris taille ou là là. تقدر دير كنترول ال عبد الغني باش كنترول ال انت بالك نو وي لا ما بال وي اون فوا اون فوا انا نشوف لا سوري انا نشوف لا سوبر سوبر دونك ان فيت دونك لو سي تي ان فيت سي كوا لو سي تي سي ان فيت سي لو سكانر تو سامبلمون دونك ان فيت في الطب ولا في الفيزياء اي تو كاين واحد الجهاز سمو دو سكانير سي ريفولوسيونير تقدروا مش راح ندخل في لو ديتاي تاع لو سكانير مي تقدروا تهضروا لي على لو سكانير ابخي نقدروا نديسكوتيو في الاسئله اي بان اون فيت لو سكانير سي ان اوتي تري بيرفورمون باش نديرو لو دياغنوستيك تاع جوستومون تاع جسم الانسان دونك باش نحدوا الامراض اكسيتيرا
ou surtout la radiothérapie. Pourquoi il est très important la radiothérapie? C'est parce que, en fait, la radiothérapie, quand on irradie la tumeur, il faut irradier la tumeur, mais pas les tissus sains. Donc, en fait, Adena, par exemple, le cerveau, et ben la tumeur, donc et pour bien déterminer en fait la position de l'ORAM, لازم نجوزو على عدة مراحل. من هذه المراحل لازم نديرو أشعة بلو سكانير. لازم نحدو البلاصة تاع هذا الورم. Mais la problématique, c'est que scanner, c'est un jihaz très irradiant. C'est-à-dire, en fait, la dose qui est dans l'imagerie par scanner est très élevée. Et donc, les ulama ont créé un jihaz qui est un scanner à peu près, mais il n'est pas irradiant. Donc, il n'y a pas d'échaat, les rayonnements ionisants. Et bien, c'est un jihad qui s'appelle MRI, donc Magnetic Resonance Imaging. Et ce MRI, en fait, il travaille justement dans le magel de Méranatissi et il chauffe Blaïs, les machines scanner. Donc, en fait, le scanner ou l'IRM, en fait, c'est deux appareils qui sont complémentaires. Donc, les ulama qui travaillent justement dans la physique médicale ont dit que voilà, on peut, par exemple, avec les outils en informatique, ne pas passer justement par l'HRM-Mektaïa, CT, scanner, mais nous utilisons l'IRM. Comme ça, en fait, on positionne bien la tumeur, mais on va doser beaucoup le malade. Et bien, le synthetic CT. C'est-à-dire un CT synthétique, on va créer une image, mais l'image de l'IRM. Concrètement, comment ça se passe? C'est que on va prendre un malade, on va faire l'IRM, on va faire les images qui ont l'IRM, on va faire l'ordinateur avec des méthodes, pour qu'on va faire نفس ليماج مي افيك لي زانفورماسيون كو لو سكانر دون ماشي لي ار ام اي سي بور سا سابيل لو سي تي سينتيتيك ا دونك هذا هو لو ستاج لو سوجي دو ستاج ديالي تاع الام 2 لي ميثود ان فيت بور ان بو بلوس دو ديتاي لي ميثود لي خدمناهم في الديب ليرنينغ اسمهم جان هذه الجان سي اون تكنيك ان فيت في لو ديب ليرنينغ اون انفورماتيك سابيل جينيراتيف ادفيرساريال نتوركس سي تادير ان فيت اون فا نجيبو دو ايماج راح نقولوا الاورديناتور هذه ليماج صحيحه هذه ماشي صحيحه هو افيك دي زوتي يقدر ينحي ليماج مش صحيحه ويخلي غير ليماج صحيحه وهكذا يتدرب اكثر واكثر واكثر باش يعطي اون ايماج بلو بيرفورمانت بلو ريال اي با هذا لو ريزولتا دو ليتود اللي درناها pendant mon stage c'est que عطى هذا لو سي تي سينتيتيك هذا لا بارتي تاع اون ايماج اللي درها لي ار ام دونك اون ا با دوزي لو باسيون دو تو مي فوالا t'as une image qui est mal de scanner quoi. Donc tout simplement c'est ça. Donc après mon master 2, et ben en 2021, j'ai intégré l'équipe d'Alar Expertise. Donc Alar Expertise, c'est une société liée à Medina de Strasbourg, en France, où il y a en fait c'est un groupe. Donc Alar groupe, les fait quatre sociétés, fait Alar Expertise. فيه لي اون فيت على اكسبيرتيز اللي هي تجمع العديد من لي انترفونون في فرنسا كامل دونك المقر الرئيسي جا في ستراسبورغ بصح عندها بزاف لي انجينيور اون فادير في كامل فرنسا وكل انجينيور عنده مجال محدد وين النطاق تاع العمل تاعو دونك انا جي انتغري ليكيب كوم كونسيي اون راديو بروتيكسيون دو بيرسونيل كونسيي اون راديو بروتيكسيون دو بيرسونيل سي فوالا مستشار في الحمايه من الاشعاعات ou ingénieur en radio en physique médicale aussi. Je vais vous détailler un petit peu la différence entre les deux plus tard. Donc Alara Group qui est une d'autres sociétés. En fait, Alara Expertise, l'un des ingénieurs en radio protection et physique médicale, Spin Up, travaille dans le domaine de l'IRM,
كاين فايبر ماتريكس. فايبر ماتريكس سي اون سوسيتي لي ان فيت داروا اختراع ان فيت داروا كومبليتمون اختراع جديد وين يقدروا ي يميزور لا دوز لي ياخذها الباسيون ولا ياخذها العامل بدقة عالية باستعمال الألياف الضوئية دو لو نون فايبر ماتريكس. وعندنا ان كاتريام سوسيتي وسمها نيوليس دياغنوستيكس اللي تاني داروا ان فيت ان بروفي دون انفونسيون ان فيت وين يقدروا افيك دي زوتي بيولوجيك يقدروا يحدوا الى الانسان اللي راح يدير راديو ثيرابي ويكون راديو سنسيبل ولا لا دونك باسكو على بالنا بلي كل انسان عنده ان سنسيبيليتي ديفيرونت على لي راديياسيون دونك او موان قبل ما نديروا لا راديو ثيرابي راح نجيبوا هذا بالنسبه لهذا الاختيار على داتو نيوليس دياغنوستيكس راح نحيو خليه من خلايا الانسان ونشوفوا الى ونروح نيراديوها ونقولوا بلي فوالا هذه الخليه راديو سنسيبل ولا لا اسكو نقدروا نديروا راديو ثيرابي ولا لا تو سامبلومون. دونك ان فيت فوالا سي سا مون باركور بروفيسيونيل. دونك نهضروا شويه في المفيد دونك هضرت لكم شويه على conseil en radioprotection, physique médicale, mais c'est quoi concrètement? En fait, le métier de Terna d'Awin Kharj, ou Khtaj Kharj, c'était la découverte du rayon X, tout simplement. Donc là, le rayon X, tous les physiciens connaissent ou savent, c'est l'expérience de Röntgen, c'est un savant allemand, les films il a découvert que اللي ما عرفوش وين جاي هذاك الوقت سماه اشعاع اكس ولا الاشعاع السينيه باللغه العربيه اي لا بروميير ايماج اللي دارها كانت على مرتو على لا مان دو سا فام اون فيت فوالا كيما راني نشوفو في لو ديابو هنايا اي با على هذا الاكتشاف العظيم اللي حد الان مازلنا اون تريومف اون فيت دو هاد لا ديكوفيرت دال لو بري نوبل اون فيزيك. C'était le premier, justement, l'idée, le premier Nobel de physique de l'histoire, en 1900. Donc ça, c'est les rayons X. Après, en même temps, à peu près, c'était la radioactivité. Donc, on ne savait pas, en fait, ce que c'était la radioactivité. Et c'était avec la découverte de Becquerel. Découvre la radioactivité naturelle de l'uranium. C'était un an après, justement, Röntgen, la découverte de Röntgen des rayons X, en 1896. Et en même temps, à peu près, c'était Pierre et Marie Curie, pour la première fois, ils ont isolé le polonium et le radium. Les Huma, justement, des mawed radioactifs. Le lama, en fait, juste après la découverte de la rayon X et la radioactivité, je vous oublie qu'il y a une utilisation médicale quand même immédiate. Donc, par exemple, l'HIA Sinia, les rayons X, nous pouvons voir ce qu'il y a dans l'insan. Donc c'était vraiment un exploit très fort quoi à l'époque. Mais il y avait aussi des effets nocifs de la découverte. Oui, les gens ne connaissaient pas beaucoup les hasards de la chaleur et tout. Et donc la radioactivité aussi. Donc on a bien avec le temps des montages en fait par exemple basés sur le polonium, sur le radium par exemple. Et ben c'est Bournaya des montagettes par exemple le rouge à lèvres au radium ou donc nesp de wishro pour le kawa ansar mushia et tout c'est bien pour la santé mais ils savaient pas en fait les risques de l'ishaat. Donc en fait c'était en 1897 c'était deux ans après la découverte des rayons X les le en fait ça boublé ken 79 hala رسميه لي دو ميفي بيولوجيك اتريبيو رايون اكس دونك سابو بلي ان فيت كاين تشوهات اكسيتيرا 1900 انري بيكريل ان فيت لي اكتشف اليورانيوم لي اكتشف لا راديو اكتيفيتي باستعمال اليورانيوم سابو بلي عنده باغ اكزومبل دي تاش روجاتر تادير ان فيت عنده فوالا دي فيس هكا حمورا اللي بداو يبانو عليه مي سافي با سكو سيتي. 1902 سيتي لا بروميير فوا لي الاطباء قالوا بلي فوالا اون على لو بروميير كونسير لي او رايون اكس باسكو سا بون فيت كي واحد انسان تعرض لهذه الاشعه اي با صرا له فوالا دي تومور اكسيتيرا
et après qui peut-être la technologie a traduit etc. Et ben c'était le bidayat العشرين إيه بداو الخدامه بزاف يخدموا بهذه الاشعه اي با صابو بلي كاين عند هذو الخدامه دي كونسير اي تو كي سون اباري اي با ميم ماري كوري اللي اكتشفت البولونيوم واللي ورا والراديوم اكسيتيرا اي با او 1934 ماتت ب ان كونسير دونك ان فيت العلماء بداو يعرفوا بلي هذه الاشعاعات فريمون خطيره اي سي بور سا او 1928 c'était la création de la Commission internationale de protection radiologique, c'est CIPR. Donc en fait, c'était vraiment un tournant de l'histoire de la radioprotection. C'est là où on a défini vraiment ce que c'était la radioprotection, donc pour protéger, désigner l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Donc, quel voilà. On peut dire que la radioprotection pour protéger les patients ou tenir l'humain, les radmofa de Majel. Donc en fait, bah, justement, pour l'instant, l'Alam Doka, et bien maintenant avec le World, il y a Doka, des nombreux organismes qui sont importants pour la radioprotection, l'Alam, qui est l'International Atomic Energy Agency, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. هي المسؤول الأول على كل الطاقة الذرية في العالم كسوا طاقة ذرية اصطناعية ولا طاقة ذرية في المجال الطبي اكسيتيرا كاين لي سي ار بي اللي هضرنا عليه سي لا كوميسيون انترناسيونال دو لا راديو لا بروتيكسيون راديولوجيك وفرنسا بون سي با بتاتر امبورطون بور تو لو موند مي فرنسا كاين اون اوتوريتي كي سابل لوتوريتي دو لا سيورتي نوكليير اللي راح تنظر وراح فوالا راح تدير قوانين باش تنظم هذا المجال وكاين لي ار اس ان اللي هو لانستيتو دو راديو بروتيكسيون دو سورتي نوكليير كي لا بارتي سافونت c'est-à-dire en fait c'est un grand institut avec peut-être 3000 personnes fait de l'institut fait Paris Fontenay-aux-Roses les justement il y a كامل الابحاث et tout كاين des docteurs etc des doctorants les يديروا كامل وقتهم للابحاث على هذا المجال voilà la radio protection comment protéger les patients c'est quoi les effets تاع هذه لي رايدمون etc. Donc, en fait, je vais parler des sources d'exposition. Donc, un rayonnement, c'est quoi un rayonnement? Concrètement, c'est une énergie, en fait. Une énergie, une émission d'une énergie ou là, un faisceau de particules. C'est tout simplement, c'est ça, un rayonnement. Donc, allez, je vais parler des rayonnements ionisants parce qu'en fait, qui est le majalma ou là, qui est le madama, que ce soit madda hayawiya ou la madda. جامدة ان فيت راح يبدلوا الحاله تاع لي زاتوم في هذيك الماده دونك ان فيت هادو لي زاتوم راح يولوا ايونات دي زيون وهذا الشيء جو كرو كو كامل الفيزيائيين يعرفوه باللي هذا راح يولد اون انستابيليتي في الماده هذيك وهذيك الماده باش تعاود ترجع جوستومون لا ستابيليتي تاعها راح ثاني تولد طاقه اضافيه Donc, en fait, c'est un effet, un avalanche, quoi. C'est un effet boule de neige. C'est-à-dire, en fait, une énergie, tu as trop fait avec le mada. Avec le mada, il y a une énergie qui est en. Donc, en fait, on peut distinguer en fait, plusieurs types de rayonnement, mais les plus importants, on va dire, c'est les noyaux alpha. Hein. C'est le noyau d'hélium, en fait, qui est très lourd. Mais qui est très 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 ionisant, c'est-à-dire en fait qui trouve le mada, il y a une feuille qui peut être absous, mais qui relâche le mada, c'est que il y a une habzef parce qu'en fait il y a une habzef les électrons. Après qu'il y a une bêta, c'est les électrons, hein, tout simplement des électrons et des positons. Il y a un homme tani taqa, mais voilà, c'est il y a des n'importe quel habsouhom. Chez Emma ou une épaisseur définie. Après, il y a les énergies avec les gamma ou X. En fait, les rayonnements gamma ou X, c'est des rayonnements très, très énergétiques. Et ils peuvent aller très, très loin dans la matière. Et visiblement, il y a des muscles qui sont les muscles. Il y a des muscles qui sont les muscles. Un chéra gamma ou X, il y a des muscles qui sont les muscles. Déjà. Le gild, l'épiderme, derme et l'épiderme, ben, j'ai le muscle, quoi. Le khaliya même.
نقدروا نشوفوا باللي كاين في كامل العالم اللي دور بينا كاين دو كومبوزونت ديكسبوزيسيون. يعني لا كومبوزونت ناتوريل باسكو حنا نقدروا اون فيت حنا متعرضين للاشعاعات باستمرار اللي جايه من الفضاء اللي جايه من العالم اللي يحيط بينا. وعندنا دو تيب دو ديكسبوزيسيون. عندنا ليكسبوزيسيون اكسترن اللي جايه باغ اكزومبل ريونمون كوزميك باغ اكزومبل باسكو ما يخفلكمش باللي الى كنا في الفضاء ولا اقتربنا من الفضاء الخارجي معناتها رايحين نحو شويه طبقات الاتموسفير اللي يحمينا يبان كنا عرضه جوستومون لي ريونمون كوزميك. وهذا لي ريونمون كوزميك ابري يقدر يولد عندنا 0.32 ملي سيفيرت باران لا دوز اللي ناخذوها باران او موين. عندنا لي ريونمون تيلوريك. لي ريونمون تيلوريك هما لي ريونمون اللي جايين من الارض اللي جايين تو سامبلومون من الارض اللي حط بينا من لا كروت تيرستر باسكو كاين عناصر مشعه في لا كروت تيرستر. لي ريونمون تيلوريك اللي زعما ناخذوهم لا دوز اللي ناخذوها هي 0.62 ملي سيفيرت باران. ابري راح جوستومون في لي زوتر سلايد راح نهضر لكم شنو هو السيفيرت اكسيتيرا. اي يا لوك ليكسبوزيسيون انترن دونك لا كونتامينياسيون انترن اللي جايه باغ اكزومبل واش ناكلو اي با ما يخفلكمش بلي لا بانان اللي تاكلوها اي با فيه عنصر مشع اللي هو البوتاسيوم. والبوتاسيوم كي ناكلوه بزاف ولا فوالا سي مشع وقادر يعطينا اون دوز سيرت لي با تري انورم سيرت بتاتر مش مضره للصحه مي يعطينا اون دوز كوميم للجسم الانسان. اوكي ثاني عنصر واحد اخر اللي هو لو غادون. لو غادون سي ان غاز ان فيت اللي جاي من لا ديزانتيغاسيون دو لورانيوم فلا اللي جاي في لا كروت تيرستر. وهذا الغادون سي ان غاز دونك راح نستنشقوه وكنستنشقوه اي بان الى نوسيف واللي هو اللي يمثل المصدر الاول لخطر فلا دوز في العالم اللي هو 1.4 ملي سيفيرت باران يعطونا ابري. Et après, il y a la composante artificielle. La composante artificielle, où je nous y a, c'est que l'exposition, on a quand même exposé, c'est l'exposition médicale. Parce que quand on a par exemple un scanner, ou on a un déro qui m'a un scanner, ou on a une imagerie, ou une radio, ou on a par exemple un aljo, mais un saratan, par exemple, c'est une dose. Donc c'est une exposition médicale. Ou en moyenne, par exemple, rahin nakhdou à peu près 1.6 millisievert par an. Ok, internet l'exposition de retombée atmosphérique, ou chnou ya, c'est que par exemple les effets des centrales nucléaires, les effets ta l'ishaat li jaya min el tajarib nawawiya, etc. Mais en moyenne c'est pas très grand, donc c'est 0.01 millisievert par an. دونك نهضر لكم شويه علاش كنت نهضر مقبل نهضر على لو سيفيرت اكسيتيرا. اي بان في لا راديو بروتيكسيون اون ا بليزيور غراندور بور بيان ديتيرميني لا دوز. ان فيت لا دوز سي كوا؟ لا دوز تو سامبلومون سي اون انرجي. دونك لينرجي كيما الفيزيائيين يعرفوا سي اون جول. هذيك لينرجي تتحط في 1 كيلوغرام من ماده ما. دونك هذه هي سي لا دوز ابسوربي. وكي نهضروا على جسم الانسان باسكو حنا كي نديروا لا راديو بروتيكسيون سي بوكو بلوس بور بروتيجي l'humain, hein, tout simplement. Donc, c'est comme si, en fait, on a vraiment une énergie d'un joule sur un kilogramme. Donc, c'est ça. Et l'unité, t'as la dose, le ulama, qu'alloublie, c'est le gré. Parce que gré, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la radioprotection, c'est pour ça. Rahin, la dose, le gré. Et bien, ma'dadna, l'autre grandeur, ou la dose équivalente. La dose équivalente, nous avons dit, la dose équivalente, c'est un facteur, le WR, comme tu vois dans le mo'adala, modrob fi la dose absorbée. WR, c'est un facteur de pondération qui dépend justement de rayonnement, parce qu'en fait, quand on regarde par exemple les HRA gamma ou la regarde les HRA sinia ou la regarde les HRA alpha, c'est différent en fait, c'est pas la même chose, c'est pas la même dose qu'on prend, parce que les HRA gamma اكثر اضرارا بالجسم اكثر اضرارا بالجسم من الاشعه بيتا باغ اكزومبل اكسيتيرا. دونك سي بور سا ان فيت لي علماء خلقوا غراندور جيدال اسمها لا دوز ايكيفالونت اللي تتعلق جوستمون بال اللي تتعلق جوستمون بنوع الاشعات اللي ناخذوها. والونيتي ان فيت سي دو غري اون برينسيپ سي دو غري باسكو سي لا دوز او لو فاكتور دو بونديراسيون سي ان فاكتور ان فيت سان اون فا دير sans unité.
مي هما قالوا بلي لا دوز ايكيفالونت نعطوا لها اسم الوحده تاعها هي لو سيفيرت فوالا لو سيفيرت تو سامبلومون ابري خلقوا اون غروندور جي دي اسمها لا دوز ايفيكاس وهذه سي تري امبورطون لا دوز ايفيكاس باسكو هذيك لا دوز اللي ناخذوها لا دوز اللي ناخذوها لا دوز ايكيفالونت اللي ناخذوها اي بان الا تحطت على لا بو ولا تحطت على لو فوا على الكبده ولا تحطت على القلب ولا تحطت على الراس ماشي كيف كيف Donc c'est pour ça qu'on a un autre facteur, c'est le facteur de pondération tissulaire. On a le facteur tissulaire qui nous justement la dose équivalente, qui a la dose efficace, qui a vraiment le jisme qui a une dose. Ou la grandeur, c'est le sievert aussi. Donc, on a les effets biologiques. Parce que la dose, vous savez vraiment réellement qu'est-ce qu'elle fait vraiment à la jisme l'insan. Eh bien, les effets biologiques vont dépendre justement de la nature du rayonnement qui m'a connu. La dose délivrée, c'est ma 1 gré, mais chez qui m'a 5 gré. Est-ce que la dose, elle est unique ou fractionnée? Ça veut dire quoi, la dose unique? C'est-à-dire, en fait, qu'on déroule, par exemple, la radiothérapie. La radiothérapie, qui est une mort de la saratan, eh bien, qui est le masalih physique atypique, ben chez Aljo, en fait il a par exemple, il a 5 grés, 10 grés par exemple à la darba, et ben avec le 10 grés, rahine, il contrôle les cellules en fait, les fichismes l'insan. Mais il a tenu un homme avec 10 grés à la aide de par exemple 10 grés en attendant à la 5 séances, chaque séance te dit 2 degrés, n'attend force à avec les cellules, ben chez Aljo يتخلقوا من جديد وفوالا ما يروحوش مش رايحين يتضروا بزاف تو سامبلومون نروح نقتلوا غير لا تيومور ما نقتلوش دي سيلول واحد اخرين اي بيان سور لي زيفي بيولوجيك فون ديبوندر اوسي دو لاج باسكو فوالا يا دي بيرسون كي سون جون اي بان ايزون با افوار لي ميم زيفي كو لي بيرسون اجي تو سامبلومون اي فهادو لي زيفي بيولوجيك العلماء ان فيت شافوا بلي كاين دو apparitions, deux types d'apparitions d'ado les types. Soit l'apparition obligatoire et les ado les effets ou ce sont les effets déterministes. Ou je nomme les effets déterministes. Par exemple, il a ordonné, je sais pas moi, 15 grés à la draba et ben rahin obligatoirement rahin des rougeurs. Donc je vous directement après le traitement des rougeurs à la peau avec le mental les drogues avec les chats. Doucement les effets déterministes ou qu'il y a des effets incertains ou des effets stochastiques. Alors les effets stochastiques, je nous c'est que par exemple, rahin do un dire un scanner, un amordan, rahin dire un scanner. Et ben, rahin y a ton une dose. On va dire que la dose, elle était forte certainement, mais ma semblance une rougeur ou la peau tana ou la fulgile tana. Donc, mais rahin peut-être تحدث خلل دي ميوتاسيون في لي سيلول هذيك الاشعه اللي ديناها دونك نقدروا سوا هذيك لي سيلول يتحولوا الى ان تومور ولا لا لا فوالا تو سامبلومون دونك اون سي با ان فيت سي انسيرتان سي ستوكاستيك فوالا دونك ان فيت لي زيفي بيولوجيك هادوما ايل ريزولت دان ترانسفير دينيرجي ا لا ماتيير فيفونت كوندويزون بار بليزيور ايتاب ا دي مانيفيستاسيون باتولوجيك دونك باغ اكزومبل ان فيت او ديبي كي ناخذوا الاشعه هذيك راحين يصراو دي انتيراكسيون فيزيك tout simplement parce que Kindou, par exemple, bêta, avec le bêta, justement, elle va déstabiliser la matière, elle va revenir à la stabilité, mais elle va encore émettre des rayonnements avec le jisme. Donc, c'est des interactions physiques. Après, la réaction physico-chimique, parce qu'avec l'ishaat, l'ADN, la cellule, en fait, donc il sera des lésions moléculaires, après des dommages cellulaires, et ben après des lésions tissulaires complètement le tissu complet avec les cellules راح يتضرر ومن بعد يقدر يصرا justement des effets pathologiques اللي راح تولد امراض واحده اخرى parce que خطرات على بالكم باللي ممكن نروحوا نعالجوا مرض السرطان par exemple par exemple الاشعه راح تكون لوكاليزي على المخ et ben قادر نصيبو سرطان واحد اخر يتولد نقتلو هذاك السرطان الاول مي vu que la dose elle était très forte ou elle était mal mesurée نقدروا نولدو ان سرطان واحد اخر في جهه واحده اخرى فوالا فوالا هذه لي زيفي سيلولير سي هذه ليماج راح تعطي لكم شويه une idée un petit peu على لي زيفي سيلولير واش يصرا داخل الخليه كي اون فا يغادي هذاك الجسم
et ben soit qu'il y a une trois possibilités. Soit la cellule elle va se réparer, soit soit il y a une réparation fautive, on a des mutations en fait, mais ça a des mutations, soit pas de réparation et ça c'est la nécrose, c'est-à-dire en fait le mort le khalawi, tu vois. Khali tmout à la hasab les radiations les data. Après, il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle les effets tératogènes. Je ne sais pas les effets tératogènes, en fait, c'est les effets liés à le fœtus, à la djanine, fait battre homo. C'est très important parce qu'en fait, il a par exemple, c'est un cas très difficile là, parce qu'il a par exemple, mala hamel et jet dire un scanner parce que yidha ou jetha par exemple. Il faut dire un scanner. Eh ben, il faut que le machine déroule un scanner, il faut prendre en compte le djanin taha li fait kersha. Et ben, le djanin taha fait kersha, il a khda, par exemple, il a une radio là, directement à l'utérus taha, à la rahim taha. Et ben, le djanin zara direct. Ou hna ya, adna, la radio protection, adna plusieurs hypothèses en fait de ce qui va se passer vraiment à l'Iljanin. Et maintenant, il a l'Iljanin par exemple qui a fait les 9 jours tu as le il a ta taquin tao. Par exemple, voilà de 0 à 9, hnaya il se moha la règle de tout ou de rien, c'est-à-dire en fait, il a éradié avec le mara fait avec l'utérus ou l'Iljanin qui a un doute sien par exemple, soit il mout ou il mout tout simplement. Après, Adna entre 9 jours et 9 semaines. Et 9 semaines, donc il a éradina le djanin, le mara, fait avec le manteca, ou le djanin qui a un doubine tsayem ou tsayem. Et bien, il y a un chef de l'ulama, il y aura des malformations, le djanin. Donc, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Il y aura des malformations et mal du développement. Ou même qu'adar avec le djanin qui yzid miyit ou la yzid ou la ymout bad l'wilada biyomin ou tlathiyam. Après il a entre 9 semaines ou 9 jours il a iradina le mara bin 9 semaines ou 9 jours. Et ben dans ce cas là il y aura certainement, on est certain que il y aura des défauts de croissance avec le djanin yzid normal, mais il y aura des retards mentaux, il y a un retard mental, il y aura des défauts de croissance, etc., de fragilité postnatale et cancers de l'enfance. Des fois qu'il y a un homme de cancer dès l'enfance, hein, c'est triste, mais ça peut arriver. Qadar ikoun parce que l'homme t'a dert un scanner ou darat fait avec le mandera. Mais les ulama en fait ils ont estimé que en fait dans l'actuel état de connaissance, le risque de cancer létal est estimé au maximum à 0,6 pour 100 mg reçu in utero. C'est-à-dire en fait, il a le mara a décrété 100 mg à la draba. Voilà, le risque avec tfol il y a des cancers, c'est à peu près à 0,6%. C'est l'estimation actuelle. Donc un jouzoul واحد يسموها la radio protection du personnel, parce que en fait mes chers les patients li yakhdou la dose, mes chers les malades li yakhdou la dose, c'est-à-dire le personnel, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait le malade qui dit dire un scanner il dit khatra peut-être fi 6 mois ou la khatra fi shahrin ou la khatra fi am etc., man yirouch le scanner tous les jours, mais li yakhdmou le scanner et ben huma thani yakhdou les ashia li dirouha, et c'est pour ça en fait il faut bien les protéger. Et c'est pour ça qu'on se met à la radioprotection du personnel. Donc, la radioprotection, on a trois règles, les règles d'or quoi, de la radioprotection, les principes fondamentaux de la radioprotection. On a le principe de la justification, l'optimisation et la limitation. Où est-ce qu'il y a la justification? C'est que, par exemple, Insan, il dit, par exemple, l'ASM, justement, dire la justification, on peut pas faire une radio sur quelqu'un, il a manouche à l'optimisation. L'optimisation, optimiser la dose, mais chaque qu'il y a justement
باش هذاك الانسان مش راح يتعرض للاشعه اكثر بزاف. وكاين لا ليميتاسيون، لا ليميتاسيون هذه غير لا راديو بروتيكسيون دو بيرسونيل، وين جوستمون لازم العمال اللي يخدموا في هذا المجال لازم ما يفوتوش اون سيرتين ليميت. Voilà, tout simplement. Après, l'importance du conseiller de la radioprotection du personnel, justement, comme je suis un conseiller en radioprotection du personnel, c'est parce que le conseiller de radioprotection, c'est protéger, en fait, c'est quelqu'un qui est formé à protéger les patients de l'écharade. Donc, le conseiller en radioprotection, c'est qu'il effectue des analyses de poste. باش يعرف ان فات العامل هذا عامل ا راح ياخذ اكثر من العامل بي شحال يدي في العام اكسيتيرا باي فاريج لي فيج ريلاتيف او كونديسيون دو ترافاي لازم فوالا لازم نريسبكتو لي كونديسيون دو ترافاي اكسيتيرا اي دونك ان فات لي زوتي تاع هاد لو كونسي اون راديو بروتيكسيون اي بان ان فات بور ميزوري لا دوز هذاك لي كي فا اتر ريسو بار لو العامل ولا لو باسيون اي بان لازمنا دي زوتي لازمنا دي des appareils de mesure. Et Adna, en fait, les moyens de détection de la dose reçue, hein, et Adna, les radiamètres, comme les chambres d'ionisation, les compteurs Geiger Müller, les contaminomètres, pour voir en fait, si la dose elle est au-dessus de la norme ou pas. Ou Adna, généralement, des dosimètres à lecture différée. Avec des dosimètres, en fait, ils se disent la dose de l'inardoa. Ils se disent les doses. Ou Adna, les dosimètres opérationnels, il y a la dose en temps réel. Par exemple, il y a temps réel, en temps réel, la dose. Voilà, tout simplement, le résumé en fait, de ce que je fais, où je me suis dit, voilà, tout simplement. Et merci pour votre attention. Je suis là pour toute question. Voilà, voilà. يعطيك الصحة عبد الغني، بارك الله فيك على الخير من الباسيون ديالك، سي تي انتيريسونت. دونك نفتحوا الباب مجال الأسئلة، دونك اللي عنده سؤال يجوست يطلع عنده في اللايف. أنا عندي سؤال، على باليش اسكو عندو علاقة بوش درت، مي عندي سؤال جوستو على فيزيك ميديكال اون جينيرال. دونك باسكو راني في لوبتيك، دونك على غالب لي كاين اون باغتي في لي زابليكاسيون تاع لوبتيك في لا ميديسين، كاين اون باغتي من هاد لي زابليكاسيون في لا راديوثيرابي. ما على باليش اسكو فريمون في لا راديوثيرابي ولا لا، سي فوتوثيرابي ما على باليش. مي انت قلت لي رايون غاما لي رايون اكس، دونك على بالي بلي في الفوتوثيرابي يخدموا بلي رايون يخدموا بالفيزيبل لايت. دونك اسكو في اسكو على بالي بلي انت دور في الخدمه ديالك على بزاف لي كلينيك، بزاف لي زوبيتو، اسكو هاد اسكو الاستعمال تاع لا لوميير فيزيبل يعني اسكو يستعملوها في لي كلينيك في الاخر ولا نو بور لانستان يا il y a aucune clinique en fait qui utilise vraiment, à ma connaissance en tout cas, qui en France qui utilise de la lumière visible. Il y a des elmi ma cache bzaf li khadmou fiha bark qult lek khatra hadrna aliha, c'est une société en fait li khadem bleu laser justement, anda wahed la nouvelle technologie had la société ou sma Eperion justement djia fi Lille hna fi le nord de France. Et ben had la société wach dir, c'est que en fait khtarou jihaz pour en fait باش نعالجو مرض سرطان، واحد السرطان جد اغريسيف اسمه لو غليوبلاستوم. هذا غليوبلاستوم جاي في المخ، سرطان في المخ، وما نقدروا نعالجوه ني بالجراحه ني بالاشاعات ني بالراديو ثيرابي ني بالاشاعات الكيميائيه بالعلاج الكيميائي، ما نقدروش نعالجوه بهذ الثلاثه. دونك اخترعوا هذا الجهاز وين راح ينجكتيو ان فيت واحد لي موليكول، je crois que c'est le pentafen, il me semble, c'est un médicament en fait, pentafen. Le pentafen راح يدور على غير الورم هذاك في المخ، يدور غير على هذاك الورم. ومن بعد حنا راح ندخلو justement de laser، donc c'est la lumière visible، راح ندخلوه
في المخ ورايحين اون فيت نشعلوا هذاك لو لازر اون فريكونس سبيسيفيك وراح اون فيت يل فا اكسيتي لو بورتافان هذاك راح اكسيتي هذاك لو ميديكامون وكي اكسيتي هذاك لو ميديكامون راح يقتل الورم فوالا تو سامبلومون هذه هي هذه هي فوتوثيرابي هذه هي دونك يعني اكتيفيو هاد الدواء هذايا بلا لوميير فيزيب مي اسكو هذه حاجه دونك يوتيليزيوها في الكلينيك ايتو بو بور لانستون فرانشمون جو سي كو ايبيريون هذه لا سوسيتي راهي تخدم راهي اون بدات عندها عامين هذه لا سوسيتي ا ما كونيسونس مازالت ما امبلونتاتش في كامل الكلينيك على حد علمي ما كاش بزاف مي على بالي بلي في لوبيتال دو ليل باغ اكزومبل سي ان غران اوبيتال في فرنسا راح نستعملوها على المرضى جوستمون تاع الجليوبلاستوم وطات نتائج حسنه دابري اوكي اوكي دونك يا اون كيستيون كاين سؤال بوعزه داكور دونك تتفضل انا مانيش نشوف جوستمون باغ كونتر لي كيستيون Bonsoir. Je vous remercie pour votre conférence. En fait, je voulais juste enchaîner. Est-ce que vous utilisez des photosensibilisants pour ces rayons laser? Donc, vous injectez un produit qui va se concentrer autour de la tumeur et puis il favorise cette lumière qui va être émise. Voilà, c'est le principe ou... C'est en fait راح تقولي بلي en fait كي نديروا مع لو لازر راح ياكتيفي دي سيلول سي سا سكو تو فولي دير Non, je voulais dire est-ce que c'est en injectant un certain produit qui va se concentrer sur la tumeur Oui. Et puis on va l'exposer sur ces rayons laser là qui vont être absorbés favorablement par C'est ça, exactement en fait, c'est ça la technologie, c'est que en fait راح نديروا un doigt justement اللي هو le pentafen راح vraiment il concentre la brique على هذيك la tumeur على الورم السرطاني ou qui n'active en fait une fréquence spécifique هذوك les cellules تاع هذوك le médicament راح يشعلوا on va dire on va باش نبسطوا on va ils vont s'exciter وراح يقتلوا immédiatement هذيك البلاصه اللي تكونسونطراو فيها donc la tumeur. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une question en ce qui concerne, on a toujours entendu dire que délivrer un sievert en une seule fois, c'est moins dangereux que le recevoir en fraction. Et j'ai jamais été convaincue par... Je trouve pas que c'est logique. Non, un sievert, c'est énorme. En fait, c'est juste pour vous informer, en fait, c'est... qui en France en fait la limite justement on a la présentation mais France par exemple la limite en fait ta واحد عامل يخدم في عامل في المجال هذايا c'est que لازم يفوت 20 millisieverts donc un sievert c'est très loin on a droit le milli لازم يفوتوش parce que en fait un sievert c'est énorme حنا شفنا بلي كيما هضرت لكم على justement هذا faire les effets tératogènes. Je pense que à 100 milligrés, qu'on aura un cancer de 0,6%. Donc il a fait par exemple à 100 grés ou à 1 gré, ben là c'est énorme. Donc je crois que les malhumains les nardo ainsi verte à la darba ils qu'on appelle mais nardo fractionné. Je crois que c'est, oui, c'est... parce que normalement c'est mortel. Quand on reçoit un sievert en un seul coup, pour moi c'est pas. Ça pourrait être mortel, mais c'est sûr qu'on va avoir des effets déterministes. C'est-à-dire en fait on voit au moins qu'adorun rahin chufu arad jadibia genre le jil tana rahin tfettet etc. Enfin avec le mantequal li ta'arat liha le rayonnement. Donc à mon avis c'est énorme un sievert. On a droit à 20 millisieverts. Et en France, un public, le public, les mérdames, par exemple, les mérdames, je fais le majalat, j'ai rien, les mérdames, 1 millisievert. Donc, 1 millisievert. Les mérdames. Alors là, donc, un sievert, c'est énorme. Là, c'est l'alerte totale. Merci. J'ai une autre question, s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas. Pas de souci.
En ce qui concerne votre sujet de fin d'études ou bien de master, si oui. je ne me trompe pas, oui. avec l'IRM, qui, c'est-à-dire en se basant sur l'IRM, vous passez à des photos synthétiques ou bien oui. des images pour mieux préciser oui. sur le site. Est-ce que vous avez eu des difficultés en ce qui concerne l'outil informatique? Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, c'est-à-dire ce qu'il faut au moins avoir comme, comme bagage nécessaire pour entamer, pour mieux développer, c'est-à-dire le côté image? Parce que je vois que les termes les plus demandés les derniers temps, c'est comment développer dans tout ce qui concerne l'imagerie médicale, améliorer la qualité d'image et tout. Et à la fin, on se retrouve avec des lacunes beaucoup plus. Et ce qui nous bloque, c'est le bagage informatique. Donc, si vous avez un conseil. Oui. En fait, Anna qui écoute le FZR, et ben, je crois que malgré que j'en ai besoin d'un bagage informatique parce qu'on n'était pas trop là-dessus. Mais qui dit que ça, enfin, c'était différent, complètement différent, parce que le bagage informatique est très important. Donc, il y a Almona, Anna, pour moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre Python. C'est parce que le langage, en fait, c'est le langage de programmation le plus facile. Les huwa yftah lkom el majalat yftah lkom en fait abwab les majalat vraiment bzaf. Et ben moi par exemple qui ai dirt le master 2 en fait kan andi déjà un petit bagage en Python parce que ditouf kamel le master 1, master 2 et tout في l'université Grenoble Alpes ou qui رحت le stage et ben le maître de stage تاعي en fait c'était pas quelqu'un de physique médicale, c'est pas un physicien médical, c'est quelqu'un qui a fait big data, c'est quelqu'un qui travaille en fait sur le deep learning, c'est un informaticien tout simplement, et il voulait quelqu'un de physique médicale pour justement pour avoir un avis différent et pour bâcher le mouchouya ou chnouya la physique médicale. C'est pour ça que Dani Anaya comme stagiaire de Master 2. Donc, en fait, quand on a dit le had, bâche, tu as l'air de mouchouya, les méthodes, qui fait nous programme, etc. Donc, pour moi, le conseil, c'est que l'ASM, pour moi, en fait, qu'il y a une bzaf, l'internet, donc elle est franchement plein d'astuces, etc. Double Python. Parce que c'est vraiment c'est un langage très important. Voilà. Merci beaucoup. De rien. La question suivante, qui est dans le Houda. Allô, bon. Oui, oui. Merci pour la bonne présentation, pour cette belle présentation. Bon, on a une question. Là, les dosimètres. Oui. Les cliniques, le personnel qui porte un dosimètre. Oui. Déjà, parfois, il y a des incidents qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'on oublie le personnel, d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'à partir de quelle dose on oublie, comment dire? Oublie qu'il y a un khatar, qu'il y a un danger. Voilà, la limite. Ou qui peut faire un khatar, c'est quoi l'idjara'at l'indéouha? Et aussi, c'est quoi les idjara'at l'indéouha, le personnel? Aussi, donc, les dosimètres, c'est des petits appareils, le Qohom Hakaya. Est-ce que vous oubliez la dose uniquement de la sable ou là, en général, ils ont le banc, puisque le dosimètre, il a affiché ça. Donc, on va supposer que c'est tout le corps, c'est des parties importantes et la gérer. Oui, bah, merci, c'est une question très intéressante. Nous avons radioprotection qui, par exemple, a des dosimètres, a un suivi. Au moins, on a un moyen de suivi de ces doses. Donc, par exemple, un travailleur qui travaille dans les services médicaux, les services de rayonnement ionisant, a des dosimètres au cul khatra yakhdem f hada el majal. Et ben, il a jazz en France. On a mal à la balise, on a aussi rouillé. Il sera fait le Jazeera. Mais à la balise, la limite en fait, les hadouha, c'est 20 millisieverts. C'est-à-dire en fait, il a jazz à 20 millisieverts. Le Qawadin, moi je trouve, il a jazz à l'insan, il a 20 millisieverts sur une année. Il a jazz à l'insan pendant une année, faire le majal. Donc, il a jazz à l'insan, mais il a jazz à l'insan.
في هذا المجال pendant une année. C'est en fait باش يعطي الحق لهذوك لي سيلول تاوعو اللي داو 20 ملي سيفرت باش تعاودو ils vont se régénérer. Pour se régénérer. C'est pour ça, en fait, pendant une année, il ne travaille pas. Parce qu'il a, comme il travaille, il va faire 20 millisieverts, il va faire, par exemple, je sais pas, 30 millisieverts, 40 millisieverts, là, ça devient un danger. Et là, en fait, généralement, c'est l'avis du médecin du travail, c'est lui qui décide. C'est ni le radioprotectionniste, ni le physicien médical, ni personne a le droit de dire quoi que ce soit. Donc, le médecin du travail, il va dire, bah en fait, voilà, tu as dépassé 20 millisieverts, donc tu vas arrêter de travailler, tout simplement. La deuxième question, je nous viens. La deuxième question, c'était, donc dès que ça affiche la dose, on ne va pas dire que peut-être il a eu la dose réelle, ou là, donc... Mais, voilà, Oui, en fait, il y a des cas un petit peu particuliers. Là, quand on a un dosimètre, on a le dosimètre corps entier, c'est-à-dire, en fait, on a le dosimètre la poitrine, là, enfin, au niveau du thorax, quoi, où là, on estime que la dose liée à parce que, en fait, la dose, elle est homogène, hein, parce que quand on a une exposition externe, la dose, elle est homogène, c'est-à-dire, elle dit qu'elle est le disme camel, généralement. Maintenant, il a, par exemple, Mara. Une femme travailleuse, eh ben, elle est enceinte. C'est un cas très spécifique. Eh ben, par exemple, ben, on va lui dire, il faut que tu mettes un dosimètre au niveau de ton utérus, c'est-à-dire en fait au niveau de ton de ton pelvis, quoi. Donc comme ça, on a un suivi très exact de ce que son pelvis prend comme dose. Donc en fait, et à titre informatif. Le fœtus en France, il est considéré comme public. C'est-à-dire, en fait, à l'achendéro, un dosimètre au niveau de pelvis, bêche, n't'akdo, blé, avec le manteca, mardage, actarmel 1 millisievert sur une année. Donc, il a retête actarmel 1 millisievert sur une année, c'est-à-dire, là, réglementairement, c'est il y a une confusion. C'est-à-dire, l'azem, avec le mara, blé, alash, dites de la dose manteca 1 millisievert, 1 millisievert, etc. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons dit en fait le dosimètre fait plus on soupçonne le docteur dose ils vont avoir beaucoup de doses. Par exemple, là, on a des chirurgiens ont des appareils irradiants. En fait, qui par exemple, font ça, les services opératoires, de bloc opératoire, dans des appareils, par exemple, bah, il y a une opération sur le cœur par exemple, ou sur l'aorte, ou sur les veines, ils utilisent les radios, les amplificateurs de brillance. Et bien, avec le chirurgien qui connaît l'opération TAO, les extrémités, en ce moment en radioprotection, les extrémités ou le cristallin, parce que généralement, ce qu'on appelle la scopie. La scopie, en fait, c'est l'irradiation en continu pendant un certain temps. Et ben, pour s'assurer que, par exemple, ils ne vont pas prendre plus que la limite réglementaire, il y a des bagues, des dosimètres bagues, ça existe. Au niveau de cristallin, on va mettre des dosimètres cristallins. Comme ça, en fait, on va s'assurer que ça va pas prendre plus que 20 millisieverts, tout simplement. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Très clair. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que les dosimètres Oui. Et par exemple, en clinique, de le faire à la radiothérapie, la gamme d'énergie, est-ce qu'ils tibèrent le rayonnement qu'on utilise, par exemple, avec la clinique? Par exemple, il a de la protonothérapie, une clinique qui déroule les rayonnements oui. Par accélérateur. Oui. Est-ce que les dosimètres, ils tibèrent la technique utilisée? Les dosimètres, en fait, il y a les laboratoires de dosimétrie qui existent vraiment, qui sont connus mondialement, en tout cas en France. Il y en a trois. Et généralement, quand même, la technologie d'Awaham, c'est qu'ils détectent tout type de rayonnement.
Généralement, c'est voilà, bêta, gamma, les rayons X, alpha même, des fois. Donc, voilà, c'est des dosimètres en fait qui regroupent tout type de rayonnement. Voilà, donc on n'a pas de problème dessus, quoi. Donc, quand il est en service de physique médicale, ils font de la protonthérapie, etc. En fait, ils détectent. Parce qu'en fait, quand on parle en fait des services de protonthérapie, en fait, généralement, ce n'est pas les protons qui vont faire des dégâts, qui vont délivrer la dose. C'est parce qu'en fait, c'est l'interaction de ces protons avec la matière qui va provoquer d'autres rayonnements, qui va détecter par le dosimètre. Généralement, c'est du bêta, gamma, alpha, etc. Voilà. Oui, donc le rayonnement secondaire, tu as le proton quand il C'est ça, interagit c'est avec la ça. matière. C'est ça, exactement. Je C'est comprends. généralement c'est le rayonnement secondaire qui est plus important, on va dire. Merci beaucoup. Merci De rien, beaucoup. de rien. كاين قبل ما نعاود نقول لي كيستيون تاع اللي عندنا كاين اون كيستيون في الديسكاشن قال لك بالقاسم قال لك واش هو لو بروتوكول ا سويفر كي ان باسيون لا مومبر دو بيرسونيل يتعرض لان سور دوز دو راديياسيون Ou le protocole l'indéro quand on soupçonne. Oui, ben, en fait, par exemple, là, concrètement, ce qui se passe. Anna, je suis un conseiller en radioprotection dans un établissement, par exemple. Un établissement X, un centre hospitalier. En fait, on a un suivi dosimétrique. Les doses, les manip radio, par exemple. Eh bien, j'en aperçois que Wahed a 21 millisieverts. Comme ça, d'un coup. Et bien là, il y a un problème. Donc, par exemple, en 6 mois, il a eu 21 millisieverts ou 20 millisieverts sur une année. Donc, concrètement, je vais faire une investigation. Parce que, en fait, les manips, les médias, donc, ils n'importe où. Et, le dosimètre, il va se trouver le faisceau primaire. Le scanner par exemple, et ben il a pris 21 millisieverts, donc il a donné au subnata sah 21 millisieverts d'aha. Et ben on va informer directement le chef d'établissement, donc le chef de l'hôpital par exemple, le directeur de l'hôpital ou le médecin du travail. Le médecin du travail, il va voir en fait les lois en fait qui règlent tout ça en France. On va déjà informer l'autorité de la sûreté nucléaire. On va informer l'IRSN. Donc, l'autorité de la sûreté nucléaire, généralement, quand elle est informée, elle va dire, ben, en fait, voilà, il a pris plus de 20 millisieverts en 6 mois. Donc là, en fait, il va arrêter de travailler, tout simplement. Et le médecin de travail, il va faire un avis d'inaptitude pour ce poste. C'est ça le protocole à suivre. D'accord, il y a une question dernière dans le hood. Il y a une question d'autre. Oui, donc il y a une question. Ah non, si vous avez dit non, je vous donne, moi j'ai deux questions. Ah, ok, d'accord. Donc, Merci. parce qu'on est sur le jeu de l'entraînement, pour Azza Marat al-Khalken. Oula, c'est bon, il y a ma question, donc juste. Si, une question, s'il vous plaît. C'était une question qui a été posée par Monsieur Totaoui, si vous le connaissez. Et il nous a toujours pas répondu à propos. Si vous avez des informations, alors. Il nous a demandé, est-ce qu'une dose élevée dans un petit volume, elle est mieux qu'une dose faible dans un grand volume? C'était une question. Si vous avez une réponse. Oui, je vais essayer à répondre à. C'est un peu délicat comme question, c'est que. Parce qu'en fait, la dose, ça dépend comment elle se propage dans le corps. Ouais. Donc, une dose faible, en fait, le monsieur, il dit que dans une dose faible, dans un grand volume, c'est mieux ou pire qu'une dose forte dans un petit volume. C'est ça ce qu'il Oui, dit? exactement.
Non, bah pour moi, en fait, c'est la surface, en fait, de la surface irradiée, elle joue un rôle. C'est-à-dire, en fait, par exemple, bah, si on dépose 50 grès en 1 mètre carré, bah, c'est pas comme si on dépose 1 grès sur 500 mètres carrés. C'est différent. En fait, pour moi, la dose elle est plus importante dans 100 grès, dans un petit volume, en fait, tout simplement. Elle est beaucoup plus importante. Ouais. Parce que le dépôt, en fait, le dépôt d'énergie, en fait, on peut faire une analogie avec l'énergie solaire. Bah, par exemple, si tu concentres l'énergie solaire, c'est une énergie, hein, la dose, c'est une énergie. Si tu concentres l'énergie solaire sur un petit bout de papier de 1 cm carré, c'est pas pareil comme on dépose en fait l'énergie solaire sur des panneaux solaires qui font enfin, la surface du désert algérien. C'est pas pareil. L'énergie elle est plus importante dans 1 cm carré. Ça va brûler la feuille, tout simplement. En fait, moi personnellement, j'ai analysé ce que j'ai répondu, enfin ce que j'ai trouvé logique. En fait, le fait de s'exposer à des doses faibles sur un grand volume, est-ce qu'il y a risque d'avoir des effets qui sont tardifs, c'est-à-dire d'ici 5 ans, 6 ans, on peut avoir un cancer ou bien ce sont Oui. des effets qui sont des effets stochastiques. Oui. Donc, je suis partie sur la partie une dose élevée dans un petit volume, ça serait encore moins pire parce que c'est vrai qu'on risque de griller ou d'atténuer le fonctionnement de cet organe, Oui. mais ça serait moins pire que d'exposer tout le corps. C'est ce que j'ai trouvé plus logique à répondre et on attend toujours sa réponse. Oui, peut-être c'est logique ce que vous dites. Pour moi, oui, c'est assez logique, mais bon. Après, en fait, ça dépend le type de traitement. C'est-à-dire, en fait, si c'est une imagerie ou c'est en radiothérapie, c'est différent. En radiothérapie, c'est localisé. C'est un Ouais. traitement localisé. On va, en fait, vraiment détruire. Bah, c'est pour ça, en fait, justement, c'est ça, les bénéfices de la radiothérapie. On va détruire une partie très, très, très fine du corps humain, avec une dose de 50, généralement 50 grès, fractionnée. Donc fractionnée, je ne sais pas, peut-être si vous connaissez hein, ce que ça veut dire fractionnée, Oui, c'est-à-dire sur plusieurs plusieurs fois. doses, quoi, séparées. Mais par exemple, si on parle d'imagerie médicale, l'imagerie médicale, bah, généralement, elle est moins dosante, mais c'est là où on peut avoir des effets stochastiques. Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai pensé, j'ai trouvé logique, mais on attend toujours sa C'est réponse, ça. revient pas. Pour moi, c'est ça la réponse. Merci beaucoup. Est-ce que je peux intervenir cette la question de mademoiselle, si c'est Oui. possible. Oui. Merci. Alors, je pense que dans l'optique, monsieur qui a posé la question, dans le cadre d'une radiothérapie, c'est-à-dire dans le cadre d'une radiothérapie, on irradie la tumeur, mais certainement on va toucher les autres organes du patient. Il n'y a pas une radiothérapie parfaite. Maintenant, est-ce que il est préférable, pendant que je fasse cette radiothérapie, de toucher un petit volume avec une grande dose, ou bien, bien sûr en parlant de l'organe sain, ou bien est-ce qu'il est préférable de toucher un grand volume avec une petite dose, ou bien le contraire? En fait, parce que c'est différent. Comme vous avez expliqué, si on parle du personnel, si on parle du patient, si on parle des organes sains, c'est différent. Maintenant, ça dépend de l'organe sain. Maintenant, par exemple, si c'est les poumons qui sont un organe parallèle, c'est un organe très. C'est un organe. Pardon. Donc, c'est un organe, je m'excuse, parallèle. Donc, si je touche un grand volume avec une petite dose ou bien le contraire, il est préférable. Alors que pour la moelle épinière, c'est un organe très, très sensible. C'est-à-dire, si je le touche un petit volume avec une grande dose, c'est tout l'organe qui part et donc c'est une personne paralysée ou morte. Donc, je préfère toucher un grand volume avec une forte dose. C'est-à-dire, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend de l'organe
que je traite ou l'organe que je touche. Je ne sais pas ce que j'étais. Si j'étais là. Oui, ouais, bah, oui, exactement. Je suis d'accord avec, avec vous, hein, tout simplement parce que en fait, bah, ça dépend en fait de la du tissu en fait qu'on irradie. Tout simplement parce que en fait, bah, comme j'ai expliqué, en fait, la dose elle est différente avec la dose équivalente. Hein, ça s'appelle la dose efficace plutôt. Parce qu'en fait, il y a un facteur ici qui s'appelle le facteur de pondération tessulaire. C'est que si on irradie les gonades, par exemple, et ben peut-être c'est plus important que si, comme si on irradie un autre, par exemple, les poumons ou l'estomac. C'est différent. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, oui, si on irradie un volume plus grand avec une forte dose, c'est beaucoup mieux que irradier, par exemple, les gonades avec même une petite dose. Voilà. Parce que vous avez des questions. Encore. Merci beaucoup. C'était une conférence très intéressante. On s'est bien informé. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous nous faites une aussi bonne conférence. Merci. Il y a deux questions. La question de la est-ce que l'idée de une grande dose, il y a des contaminés la radiation a dit que d'autres donc est-ce qu'il y a une quarantaine ou l'isolement ou là c'est la question là ou là. Oui, la question deuxième, est-ce que عندك نظره على l'état de la radiothérapie ou la radioprotection en fait. La première question, c'est que ça dépend en fait, ça dépend du type de contamination, parce que عندنا كما قلت لك عندنا deux types de contamination. On a contamination externe qui m'a par exemple dit au scanner ou la radiothérapie, c'est de la contamination externe, la radiation dynamique kharij. Ou adna un autre type de contamination ou la d'exposition, c'est moi l'exposition interne, même médicalement. Adna des techniques en radiothérapie, par exemple on a la curethérapie ou la en anglais brachytherapie. Adna fait l'arrive la radiothérapie interne vectorisée, c'est qu'en fait on va injecter des produits radioactifs fait jism l'insan. Maintenant, en imagerie médicale, l'imagerie par TEP, par exemple, l'imagerie avec scintigraphie, eh ben, on va injecter un produit radioactif, il va être mis en place dans une direction de la médecine de l'insane, on va imager avec la partie. Le type... justement de le radionucléide, on appelle les radionucléides, à la le type تاع هذول المواد المشعه اللي injectées في جسم الانسان. Et là par exemple عنده la brachythérapie واحد دار زعما باش يدير la curethérapie pour enlever un cancer ou une tumeur, et ben لازم نعزلوه شويه ما يخرجش ديريكت من جسد العلاج, et ben نعزلوه où on va tout simplement appliquer la loi de la désintégration nucléaire. Donc, par exemple, il a injecté une allo, l'iode 127, je crois, 127, les huwa ansor mushir, les omor, par exemple, et ben, le temps de demi-vie, par exemple, c'est 6 heures ou la 3 heures, ou là, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Et bien, nous allons faire la radioactivité dans le poste, on va nous faire. La deuxième question, la radiothérapie et la radioprotection, eh ben, on a des notions fifas, oui, en fait. La radioprotection surtout, la physique médicale, la radiothérapie, je ne sais pas trop, mais certainement un radiologue, c'est quoi l'état de la radioprotection, ben, je dirais un état des lieux, eh ben. Le gars, en fait, ils mettent même pas des dosimètres, ils mettent même pas du plan pour une femme enceinte quand elle vient faire un scanner ou quand elle vient faire une radio, parce que ça n'existe pas ces protections. Et les dosimètres, ça n'existe pas. Enfin, dans certains services, je dis pas que toute l'Algérie c'est pareil, mais moi j'ai pas vu tous les hôpitaux d'Algérie, mais j'ai vu une clinique en fait où il n'y a pas de dosimètre, il n'y a pas de plombage des locaux, c'est-à-dire en fait. Voilà, c'est du béton,
et l'échaïat à la balle que ça part de partout. Donc voilà, je crois que le radiologue, en fait, il est un vieux, hein, c'est un vieux radiologue. L'état de la radioprotection et la dosimétrie, ça s'est arrêté en Algérie en 1989, un truc comme ça. Après, il n'y a plus de réglementation réelle au niveau médical pour régler tout ça. Voilà. OK. كاين ديك الصفحه طلع لي كاين دو كيستيون واحد اخرين راهم في الشات. كاين الاولى اميمه مي جو بونس راهي مطلعه يدها، دونك تقدر بالك هي حابه تسقسي لا كيستيون ديريكت. Oui. اذا راهي تهضر مانيش نسمعك. نسقسي لا كيستيون ديالها باش راهي مكتوبه في الشات. قالت عندها سؤال يتعلق ب Donc, DQPRM certification, est-ce que Oui. had l'IRDM for radio protection as a radio protection counselor requires this certification or not? Bon, bah en fait, la demoiselle, elle parle en France, en fait, pour devenir physicien médical, il ne suffit pas d'avoir un master en physique médicale. Anna a un master en physique médicale. Et je suis ingénieur en physique médicale. Je ne suis pas un physicien médical en termes réglementaires en France. Parce que ben, pour devenir physicien médical, il faut faire une formation de 2 ans en plus de ton master. Au reste de la formation, elle est sur concours. C'est-à-dire pour accéder à la formation même, il faut passer un concours. Ou à la fin de cette formation, on se met à DQPRM, donc le diplôme de qualification de physicien, etc. Et de physicien de radiologie, il me semble. Au fait de la formation de 2 ans, en fait, il faut justement faire des stages en service de physique médicale, etc. Parce qu'un physicien médical en radiothérapie, c'est pas pareil comme un physicien médical en imagerie. Parce qu'un physicien en radiothérapie, c'est lui qui valide les traitements. Et les traitements, c'est à forte dose, comme on a vu. C'est à forte dose, c'est pas comme en imagerie, un scanner. Bon, un physicien médical en scanner, bah, il va juste en fait valider, par exemple, un tel protocole que les manips utilisent. Mais un physicien en radiothérapie, il valide vraiment un traitement de 50 grays, etc. Il ne faut pas qu'il se loupe. Il faut en fait qu'il contourne bien la tumeur, parce que c'est ça son travail aussi. C'est pour ça qu'il doit être formé, il doit avoir ce diplôme. Maintenant, un ingénieur en radioprotection, il n'a pas besoin d'avoir ce DQPRM pour devenir conseiller en radioprotection. Pour devenir conseiller en radioprotection, il faut avoir un certificat. Donc, une formation à peu près de 12 jours qui donne lieu à un certificat, ou à le certificat, ce mot, le certificat de conseiller en radioprotection, un PCR, ça s'appelle personne compétente en radioprotection. Et avec la nouvelle réglementation, ça s'appelle maintenant CRP, donc conseiller en radioprotection. Voilà, avec le certificat, tu peux exercer ton métier comme conseiller en radioprotection. Sans ce certificat, tu ne peux pas. Mais voilà, le DQPR1, ce n'est pas nécessaire pour un radioprotectionniste. Ok. Est-ce que j'ai obtenu le sujet? Mais bon, il y a un job sur quelques sujets. Quel est le sujet? Quel est le sujet? Quel est le sujet? What is the difference between the dose of proton therapy carbon ion therapy the RBE in CERT other than the PRT? La question, c'est la différence, mais bien. Ce dont parle le monsieur, c'est des techniques en fait en radiothérapie. Maintenant, en fait, il y a des techniques plus innovantes en radiothérapie. Ou par exemple, il y a le proton therapy. Là, en général, souvent le hadron therapy. Hadron therapy, les hadrons, en fait, les hadrons, c'est tout ce qui est neutrons, protons, etc. C'est qu'en fait, on va traiter des tumeurs assez agressives avec de la matière lourde. Donc des protons, du carbone, etc. Mais moi, à titre personnel, même pour mon métier, je ne connais pas vraiment les grandeurs. Je m'excuse, mais je ne connais pas trop les grandeurs. C'est quoi le plus dosant que d'autres? Mais je sais par exemple que la protonthérapie peut-être les plus efficaces dans certains types de tumeurs. Voilà. Ok. Quelle est une question?
Donc Salah Dadinounou, comment les astronautes sont-ils protégés contre les radiations dans l'espace et quelles sont les mesures de radioprotection mises en place pour les missions spatiales à long terme? Oui. Est-ce que cela rentre dans ton champ d'intervention? Oui, merci Salah, c'est une très bonne question. Eh bien, en fait, moi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, la société Terna, en fait, à la expertise, à la groupe, il y a à la expertise, on a d'autres sous-sociétés, on a Spinap, Fibermetrics et Neolis Diagnostics. Eh bien, Neolis Diagnostics, il y a un sujet de doctorat, en fait, il y a une doctorante justement qui travaille sur le sujet dont tu parles, avec la participation du CNES, le Centre National des Études Spatiales. Oui, Narahom, il chauffe les matières en fait, où ils vont protéger les astronautes justement de l'espace. Donc voilà, il y a vraiment un sujet de doctorat à part en fait qui travaille dessus. Mais je sais que la dernière fois en fait la doctorante elle a parlé et elle dit par exemple que il y a des matériaux les utilisent juste le plan parce qu'en fait le plan ouais, c'est la matière les elle protège le mieux des rayonnements ionisants. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un matériau lourd où il absorbe en fait toute l'énergie des rayonnements ionisants, il va pas la diffuser, donc c'est pour ça il protège. Mais près de l'émission spatiale etc, on va pas mettre du plan parce qu'il est très lourd, on va économiser de l'énergie. Généralement même de l'aluminium, hein, généralement en fait des alliages d'aluminium etc pour bien protéger. C'est assez compliqué, c'est pas un sujet si facile que ça. Voilà, il y a les recherches qui sont dessus, c'est tout ce que je peux te dire. Mais voilà, on travaille dessus en fait, on travaille avec Alar Expertise. C'est pour ça en fait je te dis, Alar Expertise c'est pas juste seulement une société à profit, mais c'est une société aussi de recherche. Notamment avec les trois sociétés, la Spinap, Fibermetrics et Neolis. Il y a des docteurs, il y a des doctorants, il y a des thèses qui se font, il y a des publications, etc. Et voilà. Voilà. Ok. Donc, ça, Abdelrani, donc, je pense que qu'il y a une question. Donc, il y a une question à l'autre. Avec Saha Abdelrani à la présentation de Lyon. Donc, vraiment avec Saha, c'était différent par rapport à Zef DB. Donc, avec Saha Zef, donc à la prochaine fois, Inch'Allah, la présentation de Jésus sera à la Ousdouaïn, ou à Hikouna Saleh Latinounou, ou à Yahya Kondriha. Donc, avec Saha, donc, moi, Jésus, salam alaikum. Sahid, c'est Oussama et à la prochaine. Ciao, ciao.